Salut Joss, un petit café? Remarque, je sais pas toi, mais moi ça me fait bizarre de me retrouver dans cette salle de pause après ce qui s'est passé, Lucas. Je vais te dire un truc, toute cette histoire me paraît très loin quand même. T'as de la chance, hein, ça a pas l'air de t'avoir traumatisé. Hein. Bah, pour moi, le plus important, c'est que c'est pas moi le père du gosse de sa fille. Et tu sais ce que ça veut dire? Non. Mais que je suis libre, mec. Je suis libre, putain, c'est énorme. Ah ouais, ça c'est énorme, tu peux le dire. Tu sais quoi, cette année, je vais me lâcher à fond. Lucas est pas prêt de revenir travailler chez Carchamp, donc ça veut dire plus de chef pour me casser les couilles. Attends, t'emballe pas trop vite, hein. Ah bon, pourquoi? Pour l'instant, on n'a pas de chef, et si ça se trouve, ils vont nous le remplacer par un furieux genre David Coca. Ah ouais, j'avais pas vu les choses comme ça. Moi, j'espère juste qu'il aura pas de fille. Hein. Au fait, t'as pas vu Patrick en ce moment-là, aujourd'hui, hein? Non, je crois pas. Pourquoi? Non, non, c'est un truc entre lui et moi, faut que je lui demande quelque chose. Ah ouais? Je sais pas, la tête c'est monstruation. Quoi? Bah c'est rien, y'a. Oh. Arrête, lâche-moi. Ah le bordel, arrête. Oh mais Leslie, t'as fini de gueuler comme ça? Non, je veux pas mourir. Mourir? Depuis la prise d'otage avec Lucas, elle m'a plus rentré dans la salle de pause. Non mais Leslie, c'est ridicule, on risque plus rien, Lucas est en prison maintenant. Non, il peut revenir n'importe quand. Arrête, on peut faire des morts. Non. Putain, allez, calmez là! Oh, c'est la fête ici, hein! Bonjour! Ouais, bonjour! Tu connais, non? Oui, je suis monsieur Almeida. Almeida. Oui, le représentant. Ah oui, ça y est, j'y suis, bien sûr! Excusez-moi, mais je crois que votre ami vient de s'enfuir. C'est pas grave, de toute façon, ce n'est pas mon ami, donc. Non, mais je dis ça parce que j'ai rarement vu une employée aussi pressée de quitter la salle de pause. Non, mais vous inquiétez pas, elle est très très spéciale. D'accord. Sinon, j'avais rendez-vous avec monsieur Redler ce matin, et pas moyen de mettre la main dessus, quoi. Ah oui, non, Lucas, non, il est pas là. Non. C'est étonnant parce que je devais lui présenter ma nouvelle gamme d'aérogénérateurs. Enfin, tant pis, vous savez quand elle revient? À mon avis, ce sera pas tout de suite, non. C'est pas grave, dans combien de temps? Je veux pas m'avancer, mais pas avant une bonne vingtaine d'années. Ah oui, c'est un peu long. C'est presque aussi long que le prêt de ma maison. Désolé, mais on n'en sait pas bien plus, donc... Bien sûr. Mais, au pire, vous pouvez signer de bon camp. Ah oui, bien sûr, pas de problème. Oui. Tenez, merci. Où est-ce que je signe? Donc là. Ouais. Là. Ouais. Et surtout ici, là, en dessous de la tonne équivalente CO2. D'accord. Voilà, ok. Voilà. Eh ben, je vous remercie, donc vous recevrez vos éoliennes dans 2 mois. Ouais. Et pour les 5 millions, je vous vois les services. Ah oui, il n'y a pas de souci. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, franchement, bravo, changez rien, j'adore ce que vous faites. Merci. Au revoir. Il est sympa? Très sympa. Vous avez les badges, hein? Ouais. Bah dis donc Patrick, on peut se voir tout de suite, là? Bah salut les gars, ça fait plaisir un peu de te voir. Voilà Daniel, t'es devenu un vrai héros dans le magasin. Non arrête, je n'ai vraiment qu'un mérite. Tu sais, ce n'était qu'une formalité pour moi, surtout à la suite de mon entraînement de Marines. Je suis quand même passé 3 ans en Afghanistan, hein. Ouais. En somme, tu es devenu Jeff Talley de Kerchan. Jeff qui? Talley, le personnage de Bruce Willis dans Otage. Ah oui. Oh bah tu sais quoi, tu m'appelles plutôt Willis. Bruce Willis. Ce sera plus facile pour communiquer. Ah ouais, bien sûr. Ouais, je comprends. Bah dis donc Marc, faut y aller, hein. Pourquoi? C'est bon, on a plus de chef. Ah non, mais si Coca il nous tombe dessus, on est mal, hein. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, allez, on y va. Allez. Allez, à plus, les gars. À plus. Dis donc, Patrick, j'ai vu que tu as des problèmes, là, avec Jean-Pierre, non? Oui, bon, on en reparlera, mais à l'occasion, j'aurai peut-être besoin de toi. Tu n'hésites pas, hein? Ah non, j'hésite pas, il n'y a pas de soucis. D'accord. Patrick, tu n'hésites pas. Je n'hésite pas. Salut les filles! Salut Patrick, ça va? Bah écoute, impeccable, je viens vous voir pour le CE. Ah oui, qu'est-ce qu'il propose cette année? Bon bah, grand classique, hein. Il y a le voyage à Disney, il y a la journée canoë-kayak, il y a le week-end à Comanche, et surtout, le plus important, une semaine complète aux États-Unis, pour être plus précis, à Las Vegas, avec le transport compris, l'hébergement, pension complète, tout ça pour combien? Non pas 700 euros, non pas 600 euros, 580 euros TTC par personne, payable en 3 fois sans frais. Excellent, et c'est quand? Ah, c'est pour le mois de février. Arrête! Mais faudra réserver un peu avant quand même. Arrête, laisse-moi tranquille! Ah, c'est quoi là? C'est quoi cette histoire? Allez, d'accord. Voilà. Hey, oh, et on stoppe là. C'était pas mon ami, donc... On va la refaire tout de suite. On va peut-être pas essayer, on va pas continuer. Vous savez quand il revient, hein? Non. Ok.
Attendez, je crois que c'est lui qui m'appelle. Ouais, c'est Lucas qui doit t'appeler, machin. Ouais, Lucas. Ouais, alors, comme ça, c'est pas. Tu veux donner. Bah écoute, William, oui. Ça vient très bien, c'est japonais. Allez, vas-y. Action. Non, mais c'est un ouf, comment on se fait à coup ça?